là, une main ici et une main en dessous de l'autre là. Et tu lèves. Ah, t'es bricoleuse en mode. T'es vraiment, je me sens comme. Comment ça s'appelle? Clochette. La clochette avec son marteau. Ah ouais, du coup, c'est tout de ce côté, mais je suis genre en fait. Ouais, là, t'as le gros. Faut que je fasse attention à ne pas casser les miroirs parce que Pierre Richard, comme je suis, c'est un malheur, hein. Non, pas sur moi, ça. Ah, tu l'as... Là, tu... Bon, voilà, là, maintenant, on va tout ranger. On va aller se doucher, on va se préparer. Et après, on vous filme la réaction de maman. Maman, viens vite, viens dans ta chambre. Y'a quoi? Trop contente de ma nouvelle coiffeuse. J'ai qu'une envie, c'est de rester toute la journée ici. Coucou les chéris. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on a fait l'intro toute seule. Bref, du coup, en fait, on fait une surprise à maman. Il y a papa et mamie dans le coup. Papa, il nous a aidés. On lui a acheté une coiffeuse, une chaise et un miroir. Parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'elle veut changer sa coiffeuse. Elle en peut plus. Regarder. Elle a que ce petit tiroir là pour ranger tout son maquillage. Mais vraiment tout. Et du coup, on a pris les choses en main. Mamie l'occupe et nous, on va construire et ranger. On va monter sa coiffeuse. Et on va construire. On va monter avec l'aide de papa. Voilà. Pas faire toute seule. Mais avant ça, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Like et commente. Active la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on poste une vidéo. Et si tu ne suis pas sur nos autres réseaux sociaux, ils vont s'afficher juste ici. Il y a Instagram, TikTok et Snapchat. Un pseudo, Molly MOF. Et on vous poste des univers différents. Mais arrête, finesse. Et on vous poste des univers différents. Et comme je vous le dis souvent, on vous poste des univers différents sur tous les réseaux sociaux. Appelez-moi Tata Emma. C'est parti. Let's go. On va tout enlever déjà et après on re-rentre tout parce que là il y a ce miroir, tout ça là. Bah oui, faut enlever tout ce qu'il y a dedans aussi. Laisse pas porter un peu. Regarde mes mains. J'en ai une ici. Tuto comment porter un cheveu. Non. Je vais pas y arriver. Là, une main ici et une main en dessous de l'autre là. Et tu lèves. C'est une catastrophe. Bah, ouvre la porte, non? Bon les chéris, petite parenthèse, je fais l'intégration de cette vidéo avant de continuer cette fameuse surprise que les filles m'ont fait. Il fallait absolument, avec les filles, qu'on vous parle d'une marque de bijoux. Voilà. Ça fait maintenant plusieurs mois même, voire presque un an qu'on connaît cette marque. Et vous me demandez souvent d'où viennent nos bijoux, d'où viennent les bijoux de Monia, d'où viennent les bijoux de Lilia. Et franchement, il fallait que je vous parle à nouveau de cette marque parce que là, on a fait une nouvelle commande et on a fait des bijoux. Mais cette marque, ce qu'il y a de trop bien, c'est que les bijoux, ils ne bougent pas. Parce que ce qu'on a, qu'on avait eu il y a pratiquement un an, je crois que c'était... Je les porte là d'ailleurs. Ah bah oui, voilà, t'as les boucles. Monia a porté les petites boucles. Elle se douche avec, cet été elle a été dans la piscine avec, elle a été à la plage avec. Les bijoux, je vous assure qu'ils ne bougent pas. Et les prix, voilà, déjà les prix sont abordables. Les bijoux, ils sont en plaqué or 18 carats et en argent. Donc moi, je vous le dis, vous le savez, les chéris, si je vous parle d'un truc et que je vous dis, vous ne serez pas déçus. Les bijoux, c'est vraiment de la super qualité et en plus, ils sont magnifiques. Donc si vous avez envie de passer commande pour Noël et d'avoir le même collier ou la même bague que nous, n'hésitez pas, dans tous les cas je vous mettrai tous les liens et les références dans cette vidéo. Il serait quand même peut-être temps que je vous dise le nom de cette marque incroyable et de ces bijoux magnifiques. C'est Lilia qui va vous le dire. Who we are. Alors oui, c'est une marque française avec un nom anglais, mais c'est un nom anglais. Si vous voulez faire un beau cadeau à votre maman, à votre soeur, à votre tata, à votre mamie, franchement, foncez les filles. En plus, j'ai un code promo pour vous. Il va s'afficher juste ici. Il vous donne moins 15% sur tout le site. Donc, c'est pas négligeable, surtout que déjà, les prix sont super raisonnables. Et surtout, les filles, foncez. Parce que le code promo, il est valable qu'une semaine. Donc, si vous l'utilisez pas là, dans la semaine qui suit, puisque cette vidéo sort dimanche, après, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc surtout, soyez réactifs si vous voulez passer une commande, les chéris. Ok? Bon, maintenant, j'arrête de parler. Vous le savez, je parle toujours trop. Mais maintenant, vous me connaissez.
on va vous montrer ces bijoux magnifiques. D'ailleurs, sachez qu'il y a 0,50 centimes d'euros qui sont reversés à la lutte contre le cancer et, si je ne me trompe pas, la SPA. Donc, vous savez aussi que nous, on adore les animaux. Donc, c'est très important de se dire que voilà, quand on fait un achat, on participe à ce genre d'association. Maintenant, Lilia va vous montrer son bijou. Depuis tout à l'heure, elle regarde la boîte et s'est dit, c'est quand que maman elle va arrêter de parler, je veux leur montrer mon collier. Et maintenant, Lilia va vous présenter son fameux médaillon qu'elle cherchait partout et qu'on n'arrivait jamais à trouver, sauf en or et à des prix exorbitants. Il y en a un moi quand même. Hein. Ouais. Hein. Donc moi, je veux présenter le mien. J'enlève. La chaîne, elle est longue. Hein. Attention. Attends, je me fais exprès. Vas-y. Donc voilà, mon collier. Il y a une... Attends, c'est double chaîne avec des billes. Voilà. Il est trop beau. Il y a une petite étoile en diamant. Ah. Elle est là, l'étoile. Voilà. Une petite étoile en diamant, comme ça, avec des... J'adore les colliers à billes, comme ça, ouais. Avec les billes. Il y a des billes sur la chaîne. Mmh. À toi. Alors moi, le mime, il est incroyable. Il me tardait qu'une chose, c'était de faire la vidéo pour pouvoir enfin le porter. Moi aussi. Alors en plus, il y a plusieurs, il y a plusieurs réglages. Et moi, j'aime bien porter les colliers serrés. Donc là, je suis trop contente. Regardez-moi la beauté du bracelet, les chéris. Du collier. Du collier. Regardez-moi la beauté. Donc, c'est une lune, tout en strass. De toute façon, je vais vous les filmer après, bien posé à plat. Mais il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Il est trop, trop beau. Il est fin. Il est trop beau. Il est super long, regarde. Ouais, ben c'est ça, les médaillons, c'est toujours long. Hein. Et en plus, il n'est pas dur du tout à ouvrir. Et dès que maman m'a dit ça, j'ai dit maman, s'il te plaît, je le veux trop. Et puis ça faisait très longtemps qu'elle en cherchait. Hein. Donc là, Bon, moi je vais vous présenter vos bijoux ou pas? Parce que tout à l'heure vous parlez. Lilia, elle s'appelle le collier médaillon secret. Et moi, elle s'appelle la jalouse. Voilà. Regardez comment elle est trop belle. Je vais lui piquer d'ailleurs parce qu'elle est magnifique. Ah oui, elle est magnifique. On dirait, en fait, c'est un lacet, c'est vraiment genre un nœud. J'aime trop les grosses bagues comme ça. Donc voilà notre coup de cœur pour les bijoux et franchement c'est la deuxième commande qu'on fait et croyez-moi que si on recommande c'est que vraiment on a été conquise et que on aime trop leurs bijoux. Voilà. Et en plus à chaque fois il y a des nouveautés. Je vous mets aussi leur page Instagram juste ici, vous pouvez aller jeter un œil dessus. Leur Instagram il est aussi trop trop beau et voilà. Même leur site internet il est trop beau. J'aime trop. Maintenant on arrête nos petits blabla et on continue avec cette fameuse surprise. Il faut que vous suivez bien toute cette vidéo jusqu'à la fin, les chéris, ne ratez rien. Let's go. Bon, du coup, on a mis la coiffeuse à allonger. On a pris les outils parce que... Voilà, elle nous a pris des mini-cutures. Ça va nous falloir des gros cutters en fait, on est dans la taille maximum. C'est pour ouvrir. D'accord, mais tu casses les doigts comme ça. T'es habitué à avoir des cartons chaînes, donc excuse-moi. Ah bah c'est pas la même. Bon, on est mal. En fait, là, vous voyez, j'ai mis tous les trucs là, comme ça et tout, plein de... Toutes les planches, on a tout sorti, on a tout trié. Mais si, je sais, moi. Quoi? Moi, je sais ce qu'il faut faire. Attends, non. Elle a vu un truc, elle veut le faire. Sauf qu'en fait, y a pas tout le plan, là, il est où, là? En fait, il y a 300 pages, d'accord, déjà le plan. Et en plus, il y a des FR1, FL1. Du coup, je sais pas quelle est la première étape, en fait. Moi, je sais. Regarde, on a FR1. Attendez, je leur montre. Là, on a FR1. Et là, on a FL1. Mais t'en sais rien, toi, tu connais pas en plan. Et FL1, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que FR de français, en fait. Tu crois? Et FL, c'est quoi? Finlande? Ah ouais? Mais non. Regardez, il y a le même en... Là, on a le même en FL, FR. C'est presque la même, mais pas dans le même ordre, en fait. Et pourquoi? Non, il n'y a pas des plans français, des plans espagnols, des plans américains. Hein, c'est les mêmes. Hein. U, R, R. Je sais pas, je comprends rien. Là, je comprends rien. On commence par ça, que c'est la grosse planche, en fait. Et on doit mettre ça, tu vois, les trucs là. 1, 2... Ouais, ça s'appelle des vis, les trucs là. Mais elle, en fait, si je l'écoute, on fait tout à l'arrache. Vaut mieux réfléchir, se poser les bonnes questions, d'accord? Ah non, c'est pas ça alors. Ah voilà. Non, si, c'est ça. Bref, on va réfléchir. Je sais pas comment on est. Pourquoi elle est dans le bon idéal, non? Vas-y, on va.
Là, je vois pas en fait. Ah, bah tu dois voir. Je crois qu'il n'y a pas de différence. Hein. Regardez mon métier. Je mets de la colle. Et là, je mets un petit taquet là. Oh là 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 là, je comprends. Avec un petit marteau. Je comprends. Ah, c'est eux, je crois, les cas. C'est ceux-là, les cas. Je fais bricolage en mode. Tu sais, vraiment, je me sens comme. Comment ça fait? Clochette. La clochette avec son marteau. Hop. Elle met un peu de. Et non, c'est pas possible. Ça, quand elle marche pas. Hein. C'est pas couleur. Hein. Mounia. Quoi? La colle, elle est bientôt vide. Il va falloir que tu m'ouvres la deuxième. D'accord. Je vous avoue. Bon, voilà, elle est montée. Il nous met un. Il manque beaucoup d'aide de papa. Il nous manque plus qu'à mettre les tiroirs. Donc, c'est parti. Oula, je n'arrive pas à l'arrêter. Là. Elle vient d'arriver. C'est là. Et maman, elle n'a pas encore monté. Ok. C'est rien. Ah ouais, du coup, c'est tout de ce côté, mais je suis genre en fait. Ouais, là, t'as le gros. Et du coup, il sirène partout. Tiens. Comment est-ce que tu es gosse? La décoration, elle est trop bien. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Maintenant, on va mettre le miroir et la chaise. Hop là. Très beau. Voilà, on va mettre son petit miroir de star. Sa grosse chaise. En fait, si on nettoie les dessous du lit, il y a de la poussière. Polystyrène. Bon, du coup, là j'ai mis le carton du miroir Hollywood Makeup Miroir sur la coiffeuse. Je vais l'ouvrir et on va regarder. Il est pas très lourd le carton, donc on va voir. Nous être utile, c'est l'unicuteur. Il est gaiement, je sais pas ce qui lui est arrivé au carton, mais je vais l'ouvrir par là, je pense. Je vais comme ça. Hop. Et puis, j'ai cassé la lame, je crois. Ta-da-da-da. Faut que je fasse attention à ne pas casser le miroir parce que Pierre-Richard, comme je suis, c'est un malheur. Hein. Bon, normalement, on a pris un miroir connecté si j'ai bien compris. Bon, là, je vois des. Je crois que c'est des baffes, je crois. Il y a des LED et tout. Donc, oui, regardez. Il y a un petit miroir comme ça avec. Oh, je vais. Salam. Tintin. Attendez, on va l'ouvrir. Tout doucement. Comment? Ah, ben voilà, c'est bon. Ils ont mis un petit chiffon. Ouais, ils ont mis le truc grossissant là. Non, mais ils ont mis un chiffon avec. Oh, c'est trop bien, tu peux l'incliner un peu et tout. Donc, on peut il est trop beau, il y a toutes les. Tous les modes, Bluetooth, lumière, plus, moins, on peut régler la lumière. On va le mettre bien au fond. Mais attends, il n'y a pas de. Il y a pas de truc, il n'y a pas de branchement. Il marche comme ça. Il y a un petit plastique. Donc regardez, Lilia, elle a allumé le miroir. Regardez, en fait, on l'a allumé comme ça. Là, je pense qu'on peut faire plus ou moins. Attendez, je m'arrête. Là, on est déjà au max. Là, on peut faire moins. Appuie. Pour baisser la luminosité. Oui. Je pense que tu peux faire bleu. Ah ouais, vous voyez, il y a plusieurs. En fait, on voit pas trop. Il y a plusieurs lumières. Parce que ça éblouit. Là, vous avez la lumière bleue. Franchement, elle est la meilleure. Lumière normale. Et la lumière jaune. Et du coup. Il faudra essayer de le connecter. Mais moi, je vais me préparer sur sa coiffeuse s'il est connecté le miroir. Je vais me trop mettre à la musique, moi. Bref, il est trop bien. Regardez où. Voilà, branché. Là, maintenant, on va faire sa chaise. On va lui mettre son petit miroir là. La chaise. J'ai hâte de voir comment elle est parce que. Hop. Je sais pas comment ils l'ont mis là-dedans. Comment on fait là pour ouvrir? Je sais pas comment. Alors, on a les pieds de la chaise. Le gros. Attends. Mmh. Punaise. Punaise. Oh. Je crois. Mounia. Ouais. Va visser. Faut que je visse ça. Faut que je le mette là-dedans. Donc attends, je. C'est comment avec la moute. J'arrive pas. Attends, appuie. Appuie. J'appuie. Encore. C'est bon. Un peu plus. Non, pas sur moi, ça. Ah, tu l'envoies sur moi, en fait. C'est ça qu'il faut appuyer. T'appuies comme ça. Voilà, là, j'ai coincé le vis, c'est bon. D'accord. Tu me fais mal. Il faut s'ouvrir pour que ce soit beau. Oh, oh punaise, ça me fait mal au torse. Attends. Et toi, tu me files en plus. C'est bon, ça roule, ça tourne, enfin, ça se visse. Ça se visse. Je crois que tu peux arrêter d'appuyer. Ah.
T'as du mal à la compréhension, c'est un temps de réaction, c'est... T'as poussé le lit. Non, en vrai, je pense que ça va être rapide. Là, vous voyez. Parce que, non, arrête, on a une clé à molette, on a 2-3 vis. Molette. Okay. Molette. Non, je sais pas c'est quoi. Ouais, vous avez compris. Okay, en fait, là, on a des scratchs qui se scratchent. Mais non. Donc, voilà. On scratch. Du coup, Lilia, elle essaye la chaise. Voilà, on vient de finir de la monter, on a monté les pieds, voilà. Ça y est, regardez ce que ça donne, c'est trop beau. J'adore, je suis fan. Confortable. Je suis fan. J'adore, c'est trop beau. Il y a tout qui va bien ensemble. Là, les tiroirs et tout. J'adore. Non, elle aura bien de la place pour tout ranger. Ouais. Oh. Miroir de star. Ça, par contre, c'est chiant, je trouve, parce qu'en fait, il y a des marques de doigts, ça fait des marques de doigts, faudra nettoyer à chaque fois. Et la connaissance, elle va nettoyer à chaque fois en plus, c'est ça le pire. Je suis sûre, elle va tout en passer un coup. Carrément, elle va se ranger un chiffon dedans pour nettoyer les boutons là. Bon, voilà, là maintenant, on va tout ranger, on va aller se doucher, on va se préparer. Et après, on vous filme la réaction de maman. On n'a pas rangé tout dedans, mais je pense qu'elle va vouloir le faire, parce que vous la connaissez, elle est l'organisation. Organisatrice. Du coup, on le fera avec elle après, et on vous filmera sa réaction. J'ai trop hâte de voir. J'ai trop hâte. Bref, du coup, on va se préparer. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle faisait que dire que... elle voulait changer et tout. Donc voilà. J'ai hâte. Moi aussi. À tout à l'heure. Enfin, dessus du coup. Bon, ça y est, on est prête. Regardez, on a tout rangé. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, on a tout mis. Bon, après, on va s'arranger comme les veines. Voilà, là, il y a sa chaise. Donc, voilà. On a tout mis. Et là, maintenant, on va avoir ça. On va aller la chercher. On va aller la chercher. Regardez, c'est trop bien. On va aller dire, maman, regarde, il y a un truc dans ta chambre. Parce qu'on lui a pas encore dit qu'on lui a fait une surprise en fait. On lui a pas dit qu'il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle reste dehors. Elle sait pas encore. Donc on va aller la chercher, on va lui dire maman, maman, on a envie de dire un truc dans ta chambre. Okay, donc au pire, toi tu restes là. Non, c'est moi qui mange, je crie. Oui, toi tu restes là du coup. Ok. Et à la limite, genre. Essaye de même pourquoi tu filmes. Au pire, je le laisse là la caméra. Tu la prends toi la caméra. Moi je la ramène. Qu'est-ce qu'il y a? Elle t'appelle. Il y a quoi? Elle t'appelle. Il y a quoi? Il y a un chien dans ta chambre. Une araignée? Oui. Viens, elle est sur ta coiffeuse. Mais qu'est-ce que vous avez fait? On a changé ta coiffeuse. Vous avez changé ma coiffeuse toutes les deux? Avec, oui, avec tout un peu d'aide de papa. Que nous. Avec un peu d'aide de papa, on l'a construit un peu pas après, c'est nous qu'on a... Un peu d'aide de mamie aussi. Elle est trop belle. Tu sais, t'as amené dehors ça. T'as pris le fauteuil que tu me disais. Elle est trop trop belle. Et l'autre, vous l'avez mis où? Je demande à papa. Ah, oh, j'aime trop. Elle est grande. Le miroir, il est trop beau. Il s'active. Il est Bluetooth, tu veux connecter tu peux ton tel. Il la musique. J'en voulais trop un comme ça en plus. Miroir de star. Il est trop trop beau. J'aime trop. En plus, il y a plein de rangements. Mais oui, c'est ça que tu voulais. Bon, non, t'as tout mis comme ça, tu rangeras comme tu veux après. Hein. Bah oui. Il va falloir que j'achète des. Des rangements. Oh des rangements partout. Toujours à tout cacher, lui. J'aime trop. C'est trop, trop beau. Voilà, ça peut faire bureau vu comme elle est grosse. Vu que tu fais tout sur mon bureau. C'est ce que je voulais. Bah, en fait, maintenant, on se partage plus le bureau à deux, on se le partage à trois, d'accord? Elle est aussi sur le bureau. Et regarde, c'est maman, bien, toutes les musiques, enfin toutes les lumières, ouais. Tu veux faire ça? Oh, j'aime trop. Et du coup, il va falloir reboucher le trou de l'ancien miroir. Ouais. Bah, bah ça. Mais là, tu dois rester genre une seconde. Ah, j'aime trop, elle est trop trop belle. Vous avez assuré. C'est nous, on a tout monté toute seule. Mamie, elle était dans le coup, elle t'a occupée. Merci mes poupées. Elle t'a occupée pendant qu'on a fait. Maintenant, il va falloir faire toute l'organisation. Ouais, ça, on te laissera faire. Et du coup, tant qu'à faire, il va falloir que je repeigne le mur. Parce que je voulais faire... Bah, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Voilà, vu que je voulais mon nouveau coin beauté, je vais repeindre le mur, là, et je vais faire un beige un peu... Beige. Elle est trop, trop belle.
Je suis trop happy. Happy, happy, happy. Tum, 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 tum. Waouh. L'amour. Bon, j'étais contente alors. Ouais, maintenant il faut que je trouve de l'organisation. Des trucs pour organiser. Oh, ça, on s'inquiète pas pour toi. J'aime trop. Je suis trop contente. Faudrait que je remercie à papa merci. Aussi. Ouais, vous avez assuré. Je suis trop contente, c'est trop beau, ça va trop bien, c'est trop ce que je voulais en plus. Je voulais un fauteuil comme ça. Bah, je te connais. Il est trop bon, puis il est trop confortable. Oh, j'aime trop. Il est gros, hein, t'as vu? J'aime bien, puis il rentre normal, on s'est mis dessus. Dessus. Non, pas du tout. Punaise, je tombe pile poil. Tout à l'arrache. Oh, je suis fan. Heureusement qu'il est passé d'ailleurs, parce que sinon on était. Love you so much. Allez, on va organiser maintenant. Ah, bah oui, mais. Je vais aller regarder sur Amazon les rangements de ce pas. Bon les chéris, maintenant place à l'organisation. J'ai commandé ça sur Amazon pour faire l'organisation de l'intérieur des tiroirs de la coiffeuse. Voilà, c'est Monia qui me les a conseillés puisqu'elle a vu plein d'organisations de coiffeuses qu'elle aime trop. Et du coup je vais faire l'organisation avec ça, je vais vous montrer. À la base je cherchais les boîtes, enfin, vous avez compris, les boîtes à organiser, les tiroirs que j'ai... Oh, je vais pas réussir à parler. À la base, je cherchais les boîtes de chez Action qu'on a mis dans l'organisation du bureau des filles. Mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé celle-ci sur Amazon. On va les ouvrir. On va voir ce qu'elles valent. Comme ça, je vais vous les montrer. Et vous allez faire l'organisation de la coiffeuse de Tata Emma avec moi. Donc là, les chéris, il y a tous mes anciens rangements. Je viens de donner un petit coup de nettoyage vite fait à l'intérieur du tiroir. Bon les chéris, j'ai installé les boîtes et j'ai commencé à tout ranger. Donc là j'ai mis toutes les houppettes, les beauty blenders, les poudres libres et les blushs. Là pour le moment je les ai mis ensemble, ce qui fait encore que je fasse l'organisation de tous les tiroirs ici. Mais il va falloir recommander des boîtes. Là j'ai mis mes crayons à lèvres Huda Beauty et un Kiko. Là j'ai mis mes pinceaux, mes stylos illuminateurs de chez Yves Saint Laurent, mes encres à lèvres. Voilà, là j'ai mis les MAC. Voilà, ça prend forme hein. Je crois qu'aux filles, ça va leur plaire. Là, du coup, c'est moi qui leur fais la surprise. Elles ne savent pas comment je suis en train de tout organiser. Mais bon, franchement, déjà, c'est trop pratique que ce soit comme ça. Il va falloir que je fasse un tiroir crème et sérum. Et le tiroir à palette pour les yeux et tout. Bon, les chéris, ça y est, j'ai récupéré Monia et Lilia à l'école. Donc, du coup, elles vont découvrir mon organisation. Même si c'est pas fini. Parce que, du coup, pour les petits tiroirs, je manque de rangement. Donc, je vais repasser une commande sur Amazon. Donc en tout cas voilà, je voulais vous dire que franchement je suis trop contente de ma nouvelle coiffeuse. J'ai qu'une envie, c'est de rester toute la journée ici. Je mets sur l'ordinateur, je suis ici, je me maquille, je suis ici. Du coup il va falloir que j'aille chez Sephora faire des achats parce que je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas beaucoup de maquillage. Voilà, ce qui veut dire que Monia a plus de maquillage que moi. Et en fait il y a plein de trucs que j'avais, que je gardais mais qui sont trop vieux. Il faut pas les garder parce que c'est pas bon pour la peau. Donc voilà, bientôt on ira faire un petit shopping de make-up pour Tata Emma chez Sephora. Mais du coup, voilà, je vais vous montrer, les filles, ce que j'ai fait. Montrez-nous. Allez, est-ce que vous êtes ready? Let's go, montre-nous. Allez, montre-nous. Je vais donc, vous montrer attends. Ce que j'ai fait. Donc voilà mon premier tiroir. Wow. Non, lui, il va là, lui. Ah, ça y est, comment c'est ouais. Lui, il va là. Qu'est-ce que et ça, c'est un mascara, donc il va là. D'accord, je croyais que c'était un truc pour les sourcils. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très joli, c'est très j'aime bien. Ouais. J'aime bien. C'est un mascara. Ils sont trop bien ces boîtes là. Je vais les deux. J'ai vu sur Kyle et Mai pour pas qu'ils soient vides. Je vais réorganiser là, je vais vraiment mettre que le maquillage et dans un autre tiroir, je mettrai pinceau et beauty blender ensemble. Punaise, mais t'as fait le vide dans tes rouges à lèvres liquides, t'en avais plein. Ah ouais, j'ai fait le vide. Parce que mais t'as tout jeté en fait, t'as gardé les Huda. J'ai gardé deux Huda Beauty, ouais, il y a un Sephora. Et un MAC. Voilà. Ah oui, il y a un Sephora. J'en ai un de Sephora si tu veux que j'aime pas. Ouais, le clair. Je sais pas si ça va être trop clair. Ah non, il est pas clair, il est trop beau, justement, il fait violine. Ah, je sais pas. Donc voilà, du coup, vous aimez les filles, vous validez? J'adore. Du coup, les jeans, il faut t'acheter tous les mêmes pinceaux. Ouais, voilà ce que j'ai dit. Je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, vous avez vu les chéris? Elle lit dans mes... Moi, je les mettrai beige. Elle lit dans mes pensées. J'ai dit, je vais les laver et après, j'ai dit non. Soit tous beige, soit tout noir. Le mieux, c'est noir. Ouais. Tu mets pinceau noir avec le truc noir qui est le mieux. Ouais, j'ai dit quoi que non, je vais les changer.
Ça fait moins sale. Ouais, je vais me commander des pinceaux et comme ça, je les lave pas. Ils sont trop bien. Et poubelles. Et en plus, j'ai acheté un couvert de pinceaux là qui arrive. C'est ça qui est bien. Sur Shein. On va vous présenter une commande bientôt. Pépite. On a trouvé des trucs. Pépite. Ah, vraiment. Et en fait, le tiroir il passe dessus. Ouais. Le tiroir il passe trop trop bien. Le miroir, je suis trop contente. J'ai pas testé d'ailleurs de le connecter en Bluetooth. Est-ce qu'on teste pas ça maintenant en vidéo avec vous? On peut tester sur mon téléphone. Est-ce que c'est moi? Sachez que vous allez avoir des vidéos de Monia dans la chambre de Tata Emma. Ah oui. Moi, je suis une passionnée de me préparer avec la musique. Je me touche avec la musique, je me prépare avec la musique, je fais tout en musique. Donc là, la musique, téléphone et coiffeuse très épurée, tout ce qu'elle aime. Ah oui. Donc voilà. D'ailleurs, je pense que Monia vous fera bientôt un tuto make-up. Elle a plein de trucs à vous tester. Donc on fera sûrement ça. Qu'est-ce qu'elle nous fait? On peut essayer de le connecter s'il vous plaît. Allez, on essaie de connecter le téléphone. Alors je crois qu'il faut rester appuyé sur le bouton. Ouais, et on va mettre Bluetooth. Alors on va faire. Là. J'ai mis mes bandeaux, j'ai mis une pince, j'ai mis ma pince à épiler, j'ai mis un chouchou. Voilà, ça c'est un petit vase qui vient de chez Shein et j'ai mis des petites fleurs donc c'est des vrais. Après je vais les laisser sécher. J'ai pas vu. Donc t'as vu, c'est joli. Attendez, ça veut dire qu'on va mettre une vidéo de moi, Liam. Ah ouais, vas-y. C'est joli, au moins il y a mes pinceaux, mes bandeaux. Trop bien. Il n'y a pas les droits d'auteur, c'est nous. Ça, là. Voilà. Oh, j'ai noir. Molly M est dans le miroir. Donc voilà les chéris, le résultat de la coiffeuse de Tata Emma. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez les refs, je vais vous les mettre en barre d'infos. Voilà, en barre d'infos. Miroir Amazon, miroir, coiffeuse Mougo, Amazon. Miroir. Et le fauteuil, c'est Amazon aussi. Elles ont très très bien préparé leur coup, que ce soit pour la réception des colis et tout, je ne me doutais de rien du tout. Et vraiment, je suis trop contente, j'en voulais trop une. J'aime trop mon nouveau coin beauté, vraiment. C'est pas que beauté, hein, c'est bureau aussi, je t'ai voilà, vu, j'ai vu. L'autre jour, je suis venue dans ta chambre, il y avait des petits cahiers ouverts, avec les stylos, tout ouvert, tout posé là. Voilà. Je dis, C'est pour ça que je voulais quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois... je m'occupe de elle quand elles ont besoin d'un truc, un meuble ou quoi, et là voilà, c'était important. Le tapis c'est action les filles, voilà. Et sinon voilà, là j'ai mon petit coin, j'ai toutes mes commodes, là j'ai ça, il faut que je l'organise. C'est ça vient de chez Shein et je vais mettre tous mes vernis permanents et tout, donc ça faut l'organiser. On l'a pas encore fait mais on va le faire. Tant qu'on l'a, c'est pas le plus, ouais, il faut qu'on le fasse. Donc voilà mes chéris, cette vidéo se termine. Surtout dites-moi ce que vous avez pensé de cette surprise. Dites-moi ce que vous pensez de ma magnifique coiffeuse. Voilà, d'ailleurs je pense que je vais repeindre le mur et j'ai envie de faire un néon personnalisé et je voulais mettre Glam Moliem. Pourquoi Glam? Parce que ça s'appelle une Glam Room en fait, c'est Glam, c'est pour... C'est Glamour. Non, ça c'est Glam Makeup Moliem ou... Beauty. Beauty by Molly M, ou je sais pas, un truc comme ça, mais j'ai envie de faire. Il y aura Molly M dans un néon personnalisé. Alors attendez, moi je vais dire ce que j'en pense parce qu'elle vous a demandé votre avis, mais elle m'a pas demandé le mien. Voilà. Donc, moi ce que j'en pense, c'est que le Bluetooth, j'ai eu une trop bonne idée pour le miroir Bluetooth et la chaise est super confortable. Voilà. J'y ai passé beaucoup de temps déjà. Toi t'es contente? C'est pas moi qu'on m'a fait la surprise. Non, mais je veux dire, t'es fière de toi quoi. Ouais. Ouais, parce que j'ai monté le meuble presque toute seule. Parce qu'il manquait papa. T'as fait quoi, Lilia, toi, pendant ce temps? Vous savez savoir ce qu'elle a fait? Elle s'est allongée sur le lit et elle regardait un live pour participer à un concours. Voilà, voilà. Super. J'essaie de gagner. Et à la fin, vous savez le culot, ce qu'elle m'a dit? Pff, je suis fatiguée, là. J'ai dit, tu te fous de ma gueule? J'ai dit, tu te fous de ma gueule? C'est moi qui ai assise depuis tout à l'heure, là, par terre. Même pas, de base, elle nous passe les vis. Elle même pas, elle a passé les vis. Rien. Elle participait au live. En plus, elle me disait... Elle me commentait le live. En plus, elle me disait, ouais, punaise, j'ai perdu, elle m'a pas fait gagner. Mais Monia, mais tu te rends compte? J'en ai rien à faire là, je suis en train de monter le meuble. Ok, si je suis pas la première, je suis la deuxième. Voilà. Je suis pas la deuxième, je suis la troisième. Au final, t'as été rien du tout. Ouais, voilà. Et elle m'a pas aidé à monter le meuble, supplément. Et du coup, est-ce que le meuble a été facile à monter? Parce que moi, je vous explique, quand c'est moi qui monte le meuble, je galère toujours avec les tiroirs. Voilà. Les seuls meubles que je galère pas, c'est les meubles d'IKEA. Mais sinon, je galère toujours avec les tiroirs. Bon, là, je sais qu'il y avait papa, mais bon. Alors, j'ai pagayé au début avec le plan. Ouais. Parce qu'il y avait deux plans différents, c'était trop bizarre. Parce qu'en fait, si vous voulez les tiroirs à gauche ou à droite, c'était pas le même plan. Donc il y avait des FR, des FP. Bref, j'ai galéré. C'était un plan. Il était compliqué. Complicado. et après, ouais, les tiroirs, c'est galère. En plus, il n'y a pas eu de colle. Du coup, ben, là, les tiroirs, ils collent pas bien. Il faut mettre de la colle. Parce qu'il n'y avait plus de colle. En fait, ils n'ont pas mis assez de colle dans le truc. Donc il faut qu'on rajoute de la colle dans les tiroirs. Parce que sinon, quand tu as tiré le tiroir, ben, y a le truc qui vient avec, mais pas le tiroir.
Donc voilà, mais sinon ça va, oui. Bon, on y a passé 2 heures à le monter, quoi. Le plus facile, ça a été la chaise à monter. Non, le miroir. Le miroir, tu l'as ouvert, il était monté, non? Non, c'est ça, la chaise, ça a été facile. Il y avait juste un vis là et 2 vis en bas, et voilà. Donc voilà, en tout cas, sachez que je suis très, 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 très contente de ma surprise. Merci beaucoup, mes amours, de ma vie. Voilà, ça faisait très, très, très longtemps que j'en voulais une. Il faut savoir que celle que j'avais, c'était l'ancienne de Monia. Quand on a changé, elle était trop nulle. C'était une console. Le tiroir, il s'ouvrait quasiment pas. Et en fait, quand vous l'ouvriez, il était, vous savez, très petit. On voyait pas le fond du tiroir. Donc ça faisait des années que je disais, je me ferai une nouvelle coiffeuse, je me ferai une nouvelle coiffeuse. Mais voilà, je ne le faisais jamais, donc je suis super contente. J'ai hâte de lire tous vos commentaires et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye.